Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Guitare. Je suis ravi de vous accueillir pour un nouveau test de matériel. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui non pas une mais deux pédales de chez Anasound, à savoir à ma droite la Cerberus, donc la pédale d'overdrive à trois têtes, on va en parler dans un instant, et à ma gauche l'Utopia, donc le Delay de chez Anasound. Pour vous faire écouter ça, j'ai sorti ma Spartan équipée d'un seul micro P90. Et comme vous pouvez voir, le branchement assez simple, donc accordeur, Cerberus, Utopia, le torpedo cab pour la simulation de HP et une petite pointe de reverb avec la Strymon Flint ici. Donc si je vous fais écouter le son direct de la Spartan sans le torpedo cab, donc enfin plutôt avec le torpedo cab en bypass, ça nous donne ça. Voilà, j'enclenche le torpedo cab histoire d'avoir un petit peu de grain, un petit peu de simulation. Et donc juste avec une petite pointe de reverb que vous pouvez entendre juste quand je bloque l'attaque. Voilà. Alors allons-y avec la Cerberus, donc avec le premier mode qui est donc avec ce commutateur noir, on passe de l'un à l'autre, sinon on a gain, le niveau de sortie et le réglage de tonalité. Donc ça nous donne ça avec ce premier réglage, donc avec des taux de gain relativement modérés. Monter un petit peu le gain, là j'étais à peu près à 9h, on va mettre ça un petit peu après midi, baisser un petit peu le volume histoire de rattraper l'augmentation de gain. Donc ça commence à bien voir du graou là, comme dirait Judge Fred. On va mettre le grain au taquet, le gain au taquet, pardon. Voilà, si je baisse le volume de la guitare. Donc un overdrive qui répond assez bien, on va jouer un peu avec le bouton de tonalité, je vais le mettre à 0. Et au taquet. Donc une belle palette de réglages. Voilà, je vais revenir à midi avec quelque chose d'un petit peu moins agressif, un petit peu moins aigu à mes oreilles. À nouveau le son de référence. Voilà, donc ça c'était le premier mode. On va passer au deuxième mode, voilà ici.
Et il va falloir que je rattrape un petit peu la différence de volume, parce qu'on a une petite différence de volume entre le premier et le deuxième et troisième mode. Donc je vous fais écouter ça. Voilà, c'est dû au fonctionnement interne, c'est tout à fait normal. Donc voilà, il faut rattraper un petit peu le volume pour avoir le même niveau de sortie. Donc on va avoir des niveaux de gain un petit peu plus élevés avec une saturation un petit peu différente. Voilà, je passe au deuxième mode. Là, j'ai tout au taquet encore au niveau du gain. Là, on a gagné encore un petit peu en épaisseur. Voilà, on va jouer un petit peu avec le délai maintenant. Je reviens en son clair. Donc voilà le son clair. Et on va enclencher l'Utopia, le délai. C'est parti. Voilà, donc là on est un petit peu en réglage de type slapback. Voilà, donc là on a trois réglages, mix, répétition et puis la durée du délai. Donc voilà, si j'augmente les répétitions, ça va nous donner ça. Et la durée de délai. Voilà, donc là on va commencer à avoir plus de répétitions. Alors si je mets ça à 0, le bouton repeat à 0, au minimum, on a juste une seule répétition qui nous permet des trucs du style comme ça. Alors là, il faut que je règle le niveau un petit peu plus élevé pour que ça soit au même niveau la note retardée que la note que je joue. Voilà, alors que sans délai, je vous rappelle que ça fait un truc ultra con comme ça. Voilà, sans les pins évidemment, mais sinon ça fait ça. Voilà, donc si je remets tout au milieu, voilà, parce que c'est toujours le réglage qu'on aime bien, ça nous donne ça. Et on a donc un interrupteur de modulation ici qui dégrade un petit peu l'écho. Alors je vous fais écouter ça, donc là la modulation elle est off. Voilà, donc on entend l'écho qui diminue mais il n'y a pas de dégradation. Et avec la modulation, voilà, donc c'est léger, c'est subtil mais c'est quand même présent. Donc ça donne un côté peut-être un petit peu plus analogique au délai. On va combiner ça avec un petit peu de gain. J'ai dit un petit peu de gain. On va mettre un petit peu de gain.
Voilà, ça nous permet aussi des trucs un peu à la YouTube. Voilà, c'était le magnifique couple Delay de chez Anasound, donc l'Utopia, et la Cerberus à trois têtes. Donc avec ces trois modes qui donnent des choses vraiment intéressantes, j'ai bien aimé moi le mode voilà le plus à gauche qui est les niveaux de crunch le moins élevés, et puis plus on tourne voilà vers le deuxième et le troisième, plus on a des gains un peu plus élevés avec un son un petit peu plus épais. Donc une overdrive à géométrie variable vraiment très sympa. À vous les studios.